Salut la team matinale, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Alessandro, on s'occupe du rôle du mercredi. Donc tout d'abord, je tiens à tous vous féliciter sur les challenges. Cette semaine, ça a été vraiment serré entre les 5 équipes. Donc bravo à tous. Donc aujourd'hui, l'entraînement, ce sera un entraînement un peu long, un type intervalle. Donc sur 30 minutes, on aura 3 fois 10 minutes d'exercice. Donc tout d'abord, on va commencer avec un échauffement. Donc l'échauffement, ça va être 3 exercices. À faire 3 rounds, 3 tours ou 3 exercices. On va commencer avec 10 inch worm, 20 complexes squat et good morning. On va vous montrer ça en vidéo. Et 30 jumping jack. Donc pour faire monter un petit peu le cardio avant l'effort. Ok, donc le WOD en lui-même, c'est 3 tours de 10 minutes, composé de 3 exercices. Donc on va commencer avec 10 répétitions de kettlebell swing. Si vous n'avez pas de kettlebell, vous pouvez utiliser des dumbbells ou des bouteilles. On va vous montrer ça dans la vidéo. Si jamais vous n'avez rien du tout, vous pouvez le faire en Romanian deadlift, donc 10 répétitions de chaque jambe. Ensuite, on aura 3 wall climb à effectuer. Donc sur les wall climb, on essaie de se redresser totalement, okay, d'avoir la pointe de pied vers le haut, de s'étendre au maximum, de pousser fort dans les épaules. Si jamais c'est un peu compliqué pour vous, vous montez à la hauteur que vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous avez du mal à monter tout en haut, vous arrêtez les pieds à 1 mètre du sol. Et pour finir, on aura 50 DU. Ceux qui ne savent pas faire de DU, vous pouvez faire 100 si des under. Si jamais vous n'avez pas de corde à sauter, vous pouvez faire 50 jumping jacks. Voilà, donc ce sera 3 fois 10 minutes. Donc on va cibler un type d'effort particulier, c'est-à-dire 75% environ de l'intensité max. Donc c'est-à-dire qu'à la fin du premier tour, il ne faut pas être cramé. Il faut pouvoir enchaîner derrière sur le deuxième tour. Et à la fin du deuxième, bien entendu, enchaîner sur le troisième. Donc entre les tours, vous aurez 3 minutes de récupération. Donc à vous de gérer votre effort. Sur ces trois amarres. Voilà, donc bon courage à tous et on se dit à la semaine prochaine.